Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Enfin, rebonjour, on est le 7 aujourd'hui, on est le 7 décembre et je vais ouvrir un colis avec vous. Alors pourquoi je me mets devant le sapin? Tout simplement parce que Muriel m'a contactée, en fait ça devait être une surprise, mais qui arrivait en retard et apparemment elle m'a envoyé un calendrier de l'Avent. Donc elle s'est excusée et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle s'excuse. Déjà c'est beaucoup, déjà il fallait pas et enfin voilà quoi, je sais pas comment vous expliquer, mais... Voilà, elle n'a pas à s'excuser. En fait, voilà, il est arrivé en retard. Donc, il y aura un autre calendrier à ouvrir en plus des autres. Mais je voulais vous faire cette vidéo à part bah, pour ouvrir en fait déjà le colis. Voilà, tout simplement. Et voilà, et ouvrir jusqu'au numéro 7 aujourd'hui. Donc, je ne sais pas du tout comment le calendrier se présente. Voilà, je n'en sais rien. Donc, il est parti par Chronopost. Apparemment, il y a eu un petit peu de retard, mais... Voilà, il n'y a pas d'excuse à avoir déjà. Il fallait pas m'envoyer quelque chose. Puis un calendrier de l'Avent, quoi. Un calendrier de l'Avent, c'est. Je vous l'ai dit, hein, depuis le début, déjà, j'en ai eu deux qui n'étaient pas prévus par Laurence et Marjorie. Donc voilà. Donc je me suis munie d'un couteau et j'ai Toto qui est à côté de moi, bien sûr, parce que quand je suis là. Je crois qu'il y a les calendriers de l'Avent. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas par où il s'ouvre. Par contre, le carton. Je crois que ça doit être par là. Pas sûr. Parce que je fais n'importe quoi. Je ne sais pas par où il s'ouvre le carton. Attendez, je vais le mettre par terre. Ce sera mieux. Ouais, si c'est comme ça. Allez, hop, on va ouvrir ensemble. Hop là. Déjà, voilà, il fallait pas. Bon, je vous montre l'intérieur du colis. Voilà, il se présente comme ceci. Je vous montre tout. Là, nous avons la carte. Et je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Oh là là, mais tu es folle. Voilà, il se présente comme ça, le colis. Alors, on va ouvrir ensemble. Ça me touche, mais si vous saviez un point. Je que le trou, mais à un point, c'est un truc de fou quoi. Je n'arrive pas, voilà, à le poser correctement. Alors, déjà, on va ouvrir l'enveloppe bleue qui est juste là, qui est bien fermée. On va découvrir la carte. Oh, elle est tout en bleu, hein. Trop bien. Je n'arrive pas à la sortir. Ah, cool, elle m'a envoyé la carte au sketch. Regardez, et la sienne, elle est carrément plus belle que la mienne. Hein. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Ah oui, mais il n'y a pas photo. Enfin, moi, les couleurs, elles étaient fades et tout. Vous voyez, sa carte sketch, elle, avec ces couleurs-là, elle est vraiment jolie quoi. Rien à voir. Donc là, j'ai un long mot que je vais lire. Arrête. Modeste participation, mais ça va pas. C'est trop gentil. Ah, elle me dit que c'est des modestes cadeaux. Enfin bref, mais non, mais attends, déjà. Déjà, tu n'étais pas obligée, comme j'ai dit, et voilà, et ça me touche énormément. Alors, on va commencer par le début. Alors, elle a fait une peinture à l'aquarelle. Alors, moi, je suis incapable de faire ça déjà, je te le dis tout de suite, avec un B comme ceci. Vous voyez, donc je pense qu'elle a utilisé que de l'aquarelle pour faire des feuillages, des fleurs, etc. Et après, elle a fait un B ici qui est en 3D, qui est vraiment très joli. Moi, je te dis en direct, je suis incapable de faire ça en aquarelle. Mais incapable. Donc, on a un joli dessin comme ceci. Peinture. Merci beaucoup. Ça va être rangé dans la scrap, dans mes affaires. Oh, il est trop chouette. Oh, mais des fois, il ne fallait pas mettre tout ça. Trop bien. Elle a fait une pocket letter sur le thème Mickey et Minnie. Oh, elle est trop, trop belle. Regardez. Alors, je vous avais déjà montré hein, ce que c'était une pocket letter.
Alors, le mieux, c'est que je vais vous mettre comme ça. Voilà. Pour essayer de vous montrer au mieux. Donc là, on a plein de petits papiers à pois rouge et blanc. Et derrière, elle m'a mis des petites choses. Il fallait pas, franchement. Donc, on a plein de... Alors, on a des petits stickers puffy comme ceci. Ils sont chouettes. Regardez, ça fait thème masculin en plus, c'est vraiment top. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si je suis bien cadrée. Je ne suis pas comme avec la scrap room là. Alors, on a des petits des stickers comme ceci, puffy. Oh, c'est sympa, il ne fallait pas mettre tout ça. Ça me gêne là, ça y est. Ensuite, on en a comme ça, avec un appareil photo, le mot love et tout, sont sympas. Je ne sais pas où tu as eu ça. Mais donc là, on a un appareil photo. Et on a un petit... C'est une ampoule, comme une ampoule avec marqué Love. Et ça, c'est thème un petit peu Saint-Valentin, ça me fait penser. Trop chouette. Ils sont cool, tes stickers comme ça. Et là, on a le petit appareil photo, je ne sors pas. Là, on a des petites découpes ici, que je ne vais pas sortir non plus. Je vais les laisser tranquilles. Là, on a d'autres stickers, juste là. Franchement, ils sont vraiment jolis, tes stickers, hein. Comme ceci. Après, on en a ici, un peu dans le même style, qui sont très jolis. Après, on a ici, on a mini. Mais c'est pour mettre sur les vitres, ça, je crois. Ouais. On a mini et son petit châle. Ensuite, nous avons ici des petites. C'est rigolo ça. Alors ça c'est rigolo. Des petites bouteilles de parfum avec des sequins dedans. Je sais pas si vous connaissez ou pas ça. Moi je connais pas du tout. On a ça aussi. Ça c'est rigolo ça. Faut tenir ça. Ils sont vraiment trop sympas. Et là on a encore une autre bouteille ici. Oh c'est trop sympa. Ensuite ici on a un ruban comme ça avec des fleurs et un et en fond bleu turquoise. Ensuite, nous avons des petites perles comme ça. Ça fait comme un petit ange en fait. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as fait ou pas. Mais trop sympa. Alors, franchement, elle est trop jolie. Donc, on a une jolie pocket letter comme ça. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Ça fait trop plaisir. Franchement, trop plaisir. Mais c'est pas tout. On en a deux. On a deux pocket letters. Hop, alors attendez, si on a une. Hop, elle est partie un petit peu. Et on a une deuxième pocket letter, comme ceci, qu'elle a fait tout en pliage, comme des petits bustiers ici, vous voyez. Mais tout avec des petits pliages, en fait, comme ça. Franchement, c'est trop sympa. Fallait penser. Alors là, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Là, ça fait comme une robe, elle a rajouté. Là aussi, pareil, on a comme une robe. Franchement, trop sympa. Alors, j'essaie de vous le montrer au mieux. Vous voyez. Et comme ceci. Et derrière... Ah non, là, c'est des comme des ATC, en fait. Donc, c'est des ATC. Donc, c'est un lot de 9 ATC. Mais elle les a rangés dans la pocket letter. Donc, le thème de l'ATC, c'est Pink Lady. Elles ont été faites le 30 septembre 2023 par Muriel. Voilà. Trop sympa. Franchement, elles sont trop canons. Moi, vous voyez, j'aurais jamais pensé. Et ça passe crème, hein, les ATC, franchement, elles sont cool. Hein, parce que moi, j'aurais jamais pensé. Moi, je vous dis, c'est tout petit. Alors, pour travailler l'ATC, à chaque fois, j'arrive pas à mettre autant de choses que vous, quoi, vous voyez. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Fallait y penser. Franchement, super original, Muriel. Au top. Au top, au top. J'adore. Il y a les petits détails, il y a vraiment un truc de fou, quoi. Ah, vraiment, le moindre petit détail et tout, elle a vraiment tout mis dessus, c'est trop chouette. Là, elle a même fait une rosace, je ne sais même pas comment t'as fait ça. Ouais, comme ça, là. Ah ouais. Truc de fou. Je vous dis, moindre petit détail et tout. Franchement, les filles, vous êtes au taquet, vous gérez de fou, quoi. Mais vraiment. Je te remercie beaucoup, Muriel. C'est juste, voilà, top de chez top.
Donc les imperfections, moi je les vois pas, hein. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des imperfections, je ne vois pas où elles sont, mais voilà. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on fait, c'est un truc de fou. Et là, on a le calendrier, alors attention les yeux, il est balèze, il est vraiment énorme, je ne sais pas comment je vais sortir de la bande. Ah oui, il n'y a pas que le calendrier, mais t'es folle. Alors, il a l'air d'être juste magnifique aussi. Et il est comme ceci, tout en bleu, avec marqué « Joyeux Noël ». Derrière, elle a utilisé, vous voyez, une page 30-30 du coup, comme ça. Ça, c'est pas mal. Et je pense que je vais vous rabaisser pour ouvrir ça. Il est monstrueux. Waouh, hein, tu es folle. Il fallait pas s'en déco. Oh, putain. Alors, tu dis qu'il y a des imperfections. Moi, je suis incapable de faire ça, mais vraiment, waouh, alors là, énorme, tes chiffres, ils sont trop beaux, je sais pas où tu les as eus, mais les chiffres, je sais pas si vous allez les voir, mais je vais vous montrer, c'est en forme de genre sucre de canne, quoi, en rouge et blanc, comme ça, ils sont juste magnifiques, le calendrier de l'avant, comment vous dire que, t'es folle, oh là là, fallait pas, énorme, juste énorme. Donc on va ouvrir les cases après, parce que j'ai vu qu'au fond du carton, c'est pas tout. Au fond du carton, il y a encore plein de choses, mais il fallait pas. Alors là, on a un album photo qu'elle a fait. Donc on va découvrir ça ensemble avant d'ouvrir le calendrier de l'avant. Donc ici, nous avons un album de photos style folio. Voilà, donc on va ouvrir. Attention les yeux, à mon avis, on va en prendre plein la tronche. Waouh! Souvenir. Donc là, elle a mis des petites. Elle a fait des petites. Je sais pas comment on peut dire, des bandes. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Et là, en fait, on a des. Vous voyez, des petites cartes comme ça où on peut mettre les photos dessus. Elle a même mis les. Ah, mais attendez, ça s'ouvre ou pas? Ah non, ça s'ouvre pas. Elle a même mis le tampon appareil photo. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est. Comment ça s'appelle? Symétrique, donc on ouvre. Oh là là, mais il n'y a pas que des photos, mais tu me fous. Mais il fallait pas. Il est très joli. Il est vraiment très beau. Alors là, vous voyez ce que je vous disais, on peut mettre des scratchs, pas forcément des aimants. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc là, on a une un rabat ici où on peut mettre photo. C'est trop bien. Donc là, j'ai un petit cadeau. Alors, j'enlève les petits cadeaux, on va les découvrir après. Les couleurs, ben ce papier, il est juste magnifique, je l'adore. Les couleurs comme ça, ça se marie super bien. Là, on a un petit rabat comme ceci, où j'ai aussi des cadeaux. Mais il ne fallait pas mettre des choses dedans. Ah ouais. Trop sympa. Vraiment, il est juste trop joli. Bon, là, on a encore un petit cadeau. Tout est relatif, hein. D'accord ? Quand je dis petit... Là, on en a encore, mais il ne fallait pas s'en déconner. Et là, on a encore un rabat comme ça. Il est juste trop chouette. Alors, si vous voulez qu'on le refasse, et si Muriel nous autorise, je vous le referai en tuto, son album folio, comme ça, il est très joli. Et là, on a, hop, encore un petit rabat ici. Et là, on a encore des cadeaux à l'intérieur. Il est très joli, les couleurs sont très belles. Je crois que c'est un papier de chez Action, ça, si je ne me trompe pas, tu me le diras. Mais franchement, il est canon. Regardez, il est vraiment très beau. Il se replie comme ça, et après, vous le refermez comme ça. Il est magnifique, ton album. J'aime beaucoup. Avec le... découpé comme ça, un petit peu comme si c'était déchiré, vous voyez, il est vraiment trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, à l'intérieur de l'album, elle m'a mis plein de papiers comme ça, dans les thèmes un petit peu fleuris, enfin un peu non, fleuris. Ça fait shabby, voilà, comme ceci. Franchement, il y en a au taquet. Vous voyez, on a plein de papiers comme ça. Oh, il fallait pas s'en déconner. Ensuite, on a des stickers ici.
Ah, mais c'est des grands en plus. C'est des grandes pages de stickers comme ça. Alors ça, c'est bien pour tout ce qui est planeur et tout ça. Ces stickers-là. Regardez. Sympa, hein. C'est très coloré là pour le printemps et tout ça, c'est vraiment top. Ils sont très jolis. On a plein de stickers comme ceci. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Après, on a une planche de tampons avec des mots en français. Il y a sur la thème de la photographie, la plus belle des photos, le cliché. Photo souvenir, clic-clac, zoom sur les détails, arrêter le temps, le plus beau sourire, ici photo, un shooting, l'histoire du jour. Franchement, mais il fallait pas s'en déconner. Donc on a une planche comme ceci avec plein de mots en français. Ensuite, on a des stickers comme ceci sur le thème de l'automne qui sont trop sympas. J'adore. Sont transparents en plus. Et là, on a petites étiquettes décoratives comme ceci à l'intérieur. C'est des genres de petits tags comme ça. J'adore le mot où elle me marque c'est des cadeaux. Enfin, je sais pas comment elle a marqué ça. Il y en a trop. Franchement, il y en a trop. Vous voyez, c'est des petits. C'est pas des tags, c'est des. Je ne vais pas trouver le mot. C'est des fagnons. Voilà. En plus, ils sont recto verso, comme ceci. Ils sont vraiment sympas. Je te remercie beaucoup, Muriel. Franchement, tu m'as gâté, quoi. Il fallait pas tout ça, quoi. Il fallait pas. C'est trop. Franchement, c'est trop. Attendez, c'est pas fini. À l'intérieur, on a encore... Je pense un album. Ouh. Comment t'as réussi à faire tenir ça? Donc là, il est sur le côté, on a des petites perles comme ceci. Là, il est comme ça et comme ça. Ah, c'est un album enveloppe. Oh non, je ne sais pas comment on l'a fait. Ah, c'est. Ah oui, tu l'as. Ah ouais, bon ouais. Mais trop bien. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est trop chouette. Il y a trop de trucs à regarder sur il y en a trop. Alors, en fait, elle a pris, je pense, des enveloppes ici. Là, au milieu, elle a mis des attaches parisiennes. Vous voyez, pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à coudre. Donc, en fait, ici, c'est des attaches parisiennes qu'elle a réussi. Alors, je ne sais pas comment elles tiennent, mais elles devaient être super longues. Qu'elle l'a mis, en fait, au milieu. Et donc, ça fait un petit carnet comme ça. Trop sympa. Je ne sais pas où tu as eu tes papiers, mais ils sont juste trop, trop beaux. Voilà, hop, vous voyez, donc ça fait un carnet. Regardez-moi ce papier, comment ils sont beaux. Il est trop chouette. Et là, du coup, dans l'enveloppe, ici, ça fait une petite pochette où elle a sûrement mis, voilà, des petites choses ici. Je ne vais pas le sortir pour le moment, je n'ai pas envie de l'abîmer. Là, après, on a encore une autre enveloppe ici qui se ferme. Et là, elle a fait des pochettes, mais c'est un truc de fou. Ça fait... Là, on a plein de tags à l'intérieur, vous voyez. On a gavé de tags. Oh! Trop bien. On a plein de tags. Ça fait comme un petit junk, en fait. C'est trop, trop chouette comment t'as fait ça. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, ça peut vous donner des idées. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, de voir ce que les filles, elles font, ça peut vous donner des idées. Mais elle s'est gavée. Hein. Putain, c'est... Là, ils sont trop beaux, tes papiers, avec les livres, là. Ils sont juste magnifiques. Vous voyez, ça peut vous donner des idées. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment elle a collé ces enveloppes. Là, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je sais pas parce que... Ah, si, elle a collé celle-là avec celle-là. Mais après, celle-là, je sais pas comment elle est venue là. Ah si, celle-là, elle doit être collée derrière. D'accord. C'est juste énorme. Donc là, on a ceci. Donc, ça s'ouvre comme ça avec deux autres enveloppes. Et là, vous voyez, elle a laissé les pochettes, en fait, pour y mettre des petites choses à l'intérieur ici. Comme là, elle a mis une enveloppe.
Ah oui, ça fait comme une enveloppe, mais ça s'ouvre comme ça en fait. Avec plein de papier à l'intérieur. Oh, ils sont trop beaux aussi. Bon, la vidéo, elle va durer un peu longtemps, mais il faut que je vous montre quand même. C'est trop génial ce qu'elle a fait. Franchement, tu t'es gavé, Mumu. J'ai le droit de taper Mumu. Parce que j'ai une copine qui s'appelle Muriel, je l'appelle Mumu. Je pense qu'on doit taper Mumu aussi. C'est juste énorme. Putain, c'est fou, quoi. Oh là là, le film, mais vous me gâtez. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Je crois que c'est la première année que j'ai. Déjà que j'ai autant de calendriers de l'Avent de votre part. Ben c'est la première année que j'en ai déjà de votre part comme ça. Sans faire d'échange, hein, vous voyez. Et là, on a encore, vous voyez, plein de papiers ici, plein de tags et tout ça. C'est extra ce que tu as fait là. Oh, regardez, elle a fait un truc comme ça. Ça, j'ai essayé une fois, j'ai cru que j'allais péter un pont. Parce que j'arrive pas à faire les arrondis. Et là, on a plein de petites étiquettes à l'intérieur, regardez. Ah, c'est trop génial. J'ai cru que j'allais péter un pont, ouais, parce que j'arrivais pas à faire les arrondis. C'est trop génial, franchement. Il faut avoir l'idée, hein. Vraiment. Donc, ça peut vous donner une idée de faire un genre de petit junk journal comme ça. Franchement, chapeau, Muriel, chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un truc de malade. Un truc de fou. Alors, attendez, c'est pas fini. Waouh, mais t'es malade. Hein. Mais tu es folle. Mais, alors, je crois que c'est les premiers que j'ai. Elle m'a offert des tampons Stampin' Up. Avec des mots en français, comme ceci, dans la boîte. Je me disais bien que ces boîtes-là, ça me paraît, ça me disait quelque chose. C'était folle. Alors, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, si reconnaissante de nous tous pour tout. Je suis mon ami pour ton aide. Alors, en fait, vous avez le gros merci. Et après, en fait, vous pouvez marquer merci sérieusement, merci de tout cœur, merci de ta gentillesse. Je voulais vraiment te dire merci vraiment infiniment. Tu es formidable, tu es trop gentille. Oh là là, tu es folle. Hein. Et donc, on a la boîte comme ceci. Et ensuite, on a tous les mots, en fait, que je vous ai dit là, on les a ici. C'est trop sympa. C'est trop sympa, mais tu es folle. Ah, mais c'est la première fois que j'ai du Stampin' Up comme ça. Autant j'ai eu des papiers, mais autant ça, j'en ai jamais eu. Ben, merci beaucoup, je sais pas quoi dire. Ben, si, je peux dire merci beaucoup, merci vraiment, merci pour tout, merci sérieusement, merci de tout cœur. Enfin, voilà, je peux dire tous les merci qu'il y a là-dessus. C'est un truc de malade. Je sais pas quoi dire en fait, mais vraiment quoi, c'est trop Muriel, c'est trop. Bon allez, maintenant on va voir le calendrier de l'Avent ensemble. Donc il se présente comme ceci. J'ai vu le numéro 1, il est là. Hop, je vais vous remettre sur moi, mais je vais vous montrer. Regardez les chiffres. Je sais pas où elle les a trouvés. Ils sont juste de fou, de fou, de fou, de fou. Mais vraiment quoi, je sais pas quoi dire. C'est voilà. À part merci, hein, voilà, je l'ai déjà dit 50 fois, mais bon. Allez, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, il est comme ceci. On a le numéro 1. Et à l'intérieur, on a. Oh, mon Dieu, ça. Un cœur qui est colorisé en plâtre. Donc, c'est un cœur comme ceci. Voilà. Avec en plâtre, vous voyez, comme ça. Qui est colorisé avec plein de tons de rose différents, du rose, du blanc, tout ça. Et ça fait un effet bouquet. Franchement, c'est trop bien fait. Super joli. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au numéro 7, puisqu'aujourd'hui, on est le numéro 7. Franchement, le calendrier est des boîtes, avec toutes les tailles de boîtes et tout comme ça. Oh, moi, je suis incapable de faire ça, mais vraiment. Ça a dû prendre un temps en plus, mais de fou quoi. Alors là, on a le numéro 2 qui est comme ça.
J'ai un petit chocolat. Alors, nous avons un candy choco mini. Je pense que ça doit être comme les Mars. Donc, ici, on a une petite friandise pour manger. Trop bien, merci beaucoup. Je le mange après. Trop, trop bien. Je vous jure, mais je suis comme une gamine, mais c'est trop. Alors, on cherche le numéro 3. Ah, il est là. Tiens, mais toutes les boîtes, elles sont calées au millimètre et tout, c'est un truc de dingue. Alors, le numéro 3. C'est un truc de fou. Bah, j'ai un Mars. Et ça repart. Bon, je ne vais pas tout manger maintenant, mais là, j'ai un petit Mars. Trop, trop bien. Trop bien, j'avais pas des petits trucs comme ça là. Je me jure, on va être content. Si moi je mange pas tout de toute façon. Le numéro 3. Le numéro 4, il est juste en dessous. Donc là, c'est une boîte plus. Alors, elle est un peu ouverte. Plus longue. Vous voyez, comme ceci. Putain, mais tu as dû prendre un temps fou à faire ça. Tu es folle. Oh, trop bien. Alors, à l'intérieur, on a du thé. Alors, celui-là, je le vois tout le temps, le Clipper. J'en ai jamais acheté. Alors, Keeper, c'est un thé blanc framboise. Trop sympa. Merci beaucoup bah, pour aller avec les chocolats. Hein. Et elle aurait pu mettre que le thé. Non, non, elle a mis un petit calepin comme ceci avec des papiers un peu style japonais. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment un petit carnet comme ça. C'est trop sympa. Non, je ne vous montre pas tout parce que sinon. Je sais pas quoi dire en fait. C'est. Waouh! Alors, le numéro 5. Alors, j'ai le 6. Ah putain, le 5, c'est une grosse boîte. Alors là, on a une grosse boîte comme ceci. Donc, le numéro 5. Merci! Mais c'est trop bien! Des golden latte, je connais pas. Au curcuma, ah, je connais pas du tout. Eh bien, on a du café comme ceci. Golden café au curcuma. Ça, c'est la marque, je sais plus comment ça s'appelle avec l'ours là. Columbus. Columbus. C'est un peu comme il y a Starbucks et il y a Columbus aussi. Donc, on a deux cafés comme ceci. T'es folle. Et on a deux cafés comme ça en poudre. De Nescafé, voilà, comme ceci. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop génial. En plus, ces petits cadeaux qu'il y a dedans, j'adore. Ah, mais c'est trop bien. Trop bien. Le numéro 6 qui est juste là. Bah là, j'en ouvre plein du coup de cases puisque le numéro 6 comme ceci. Et on a une capsule. Tu regardes ma chaîne secondaire. Hein. Du Marrakech Tea. Comme ça, j'adore, il est trop trop bon. Celui-là, c'est du thé à la menthe. Moi, celui-là, j'en suis trop trop fan, je l'adore. Donc, bah, tu tombes dans le mille. C'est trop bien, bah, tu vas comme ça compenser un petit peu mes capsules qu'il y a là-bas. Mais le Columbus, là, à goûter, je ne sais pas quel goût il peut avoir avec le curcuma à l'intérieur. Et le dernier, parce qu'aujourd'hui, on est le 7, donc on va ouvrir le 7. Il est là, le numéro 7. Donc demain, bah, ouverture des calendriers, il y aura celui de Muriel en plus. Voilà, tout simplement. Donc il est juste là, le numéro 7. Et on a encore des friandises. Ouh là là, bon, je l'en suis. Là, c'est choco. Non, coco choco. Alors lui, à mon avis, c'est comme un bounty. Ben, je vais manger lui alors. Voilà, obligé, je vais manger lui. Moi, j'adore les bounty. Donc là, on a. Un petit bounty. Franchement, c'est trop bien. Muriel, tu m'as gâté de fou. C'est un truc de malade. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Déjà, je vais t'envoyer un mail pour dire que j'ai ouvert ton colis. Tu es folle. Voilà, qu'il fallait pas m'offrir tout ça. Alors, cette année, j'ai été gâtée, mais de dingue. Mais de dingue. C'est un truc de fou. Et je ne m'attendais pas à ça. Et tu n'avais pas à t'excuser du moins pour le retard, quoi. Déjà, c'était pas obligé, quoi. Et déjà, je m'y attendais pas. Voilà. Mais écoutez, la team.
je vais essayer de vous mettre la vidéo de suite avant la vidéo de ce soir. Comme ça, au moins, elle sera mise aujourd'hui et comme ça, je pourrai ouvrir le calendrier de Mumu. Voilà, j'espère que tu me permettras de t'appeler comme ça, de Muriel avec les autres demain. Voilà, comme ça, il y aura une ouverture de plus maintenant, tous les jours à faire. Et franchement, le calendrier de l'avant, il est juste trop ouf. Quoi. Mais ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et plus les plus à côté, quoi. J'ai été gâtée. Moi, bon, je suis désolée pour ma sale tête aujourd'hui, mais bon, hein, c'est comme ça. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis cette fois-ci à demain ben, pour le numéro 8. Encore une fois, merci Muriel. Un truc de dingue. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scravez bien. Restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.